Money coming in, people knowing that we lit. Do it for the fam, we gon' die for this shit. Ok, il est 7h30, je sais pas si on le voit à la cam. Je suis un peu fatigué. Aujourd'hui là on va aller au Segor, les vagues sont graves. J'attends Tom. On va aller surfer 2-3 jours là-bas. Il annonce des vagues absolument incroyables. Vraiment, vraiment incroyables. Je vais vous mettre les prévisions là. Du coup, j'attends que Tom arrive. Et puis, let's go. Tu vas essayer de pas péter ta planche cette fois? Ouais. Ça serait quand? Hop! C'est bon, on est arrivé. On vient d'arriver à la centrale. Il y a encore full brouillard. Donc je sais pas si on va pouvoir se mettre à l'eau tout de suite. On va aller checker un peu partout de toute façon. Ouais, du coup on voit rien du tout. Il y a vraiment du brouillard vraiment vénère. Donc là on voit absolument rien. On va attendre que ça se lève. Ok, bon du coup je vous ai pas filmé le vague parce qu'on voyait rien en fait avec le brouillard. Mais ça s'annonce pas trop mal, on espère. C'est encore un peu bas, mais là ça va monter, ça va se caler. On va se changer, il fait hyper froid, il y a encore le brouillard là, donc pas très motivé à se changer. Surtout que j'ai encore ma combi mouillée d'hier, donc ça va pas être fun. On se bouge, on se fout à l'eau et puis let's go. Allez, c'est parti! Qui est là avec mon poncho? Mec! Attends, mais mec, c'est pas possible là! Super plan de cam où le mec il prend 3 heures à mettre un bon jeu. Ça va être dans le bêtisier ça. On voit grave les vagues genre. C'est incroyable l'ambiance là, avec la brume et tout, on voit absolument rien, on voit même pas la plage, on sait même pas où on est. Oh là là.